Astral vous présente Mobile, le magazine d'actualité des transports publics de l'agglomération lyonnaise et du Rhône. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, le Citral est devenu le 1er janvier 2022 un établissement public local en lieu et place du syndicat mixte. La mission initiale d'autorité organisatrice des transports publics reste inchangée, mais à celle-ci s'ajoutent désormais de nouvelles missions de coordination, d'information multimodale et de planification des mobilités à l'échelle d'un bassin de mobilité élargi qui compte 263 communes et plus d'1,8 million d'habitants. Le lundi 10 janvier 2022 s'est ainsi tenu le premier conseil d'administration, la nouvelle instance décisionnaire du Citral. Composé de 38 membres, il est présidé de droit par le président de la métropole, Bruno Bernard. La question des mobilités, elle dépasse les frontières de nos collectivités territoriales. Et donc nos habitants ont besoin de se déplacer et pas d'être arrêtés à une frontière. Et donc les lignes de bus qu'on doit développer, solutions de mobilité, elles seront beaucoup plus efficientes à cette nouvelle échelle. L'objectif, il est triple. À moyen terme, c'est un seul réseau de transport, un seul système tarifaire et un seul système d'information pour faciliter la vie des gens. En parallèle, le comité des partenaires s'élargit et s'adapte lui aussi au nouveau périmètre d'action. Ce comité qui associe aux décisions importantes les représentants du monde économique, associatif, universitaire ainsi que les consommateurs et usagers était consulté au moins une fois par an. Il va aussi intégrer des représentants de la société civile. C'est une mesure gouvernementale imposée. Il y a des citoyens, 5 citoyens, qui seront tirés au sort, qui siégeront au comité des partenaires. Depuis mai 2020, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Mais il arrive encore quelques fois que certains usagers le portent de façon moins assidue. Face à la dégradation de la situation sanitaire, le préfet délégué à la sécurité et la défense a renforcé les opérations de contrôle. Lorsqu'on monte en extérieur, lorsqu'on est dans les bus et lorsqu'on est dans les tramways, le port du masque est moins respecté. Il faut s'astreindre encore et encore à porter le masque dans tous les transports publics. Ça demeure, on le rabâchera jamais assez, une excellente mesure sanitaire. C'est vraiment une mesure barrière. Pour faire respecter la règle, 22 000 contrôles sont effectués chaque jour par le Citral. Oui, le Citral peut verbaliser pour le non-port du masque comme pour l'absence de titre de transport, mais on privilégie les opérations communes avec la police, 1000 par an, pour contrôler notamment le port du masque. Tout contrevenant s'expose, on le rappelle, à une amende de 135 euros. Le Citral vous a présenté Mobile, le magazine d'actualité des transports publics de l'agglomération lyonnaise et du Rhône.